Bienvenue dans Microferme, le podcast qui donne la parole aux paysans et paysannes d'aujourd'hui et de demain. Salut Quentin. Salut. Tu es éleveur de canards près de Namur. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton projet pour commencer ? Ben oui. Donc oui, je suis éleveur de canards, c'est plutôt entre Namur et Charleroi, donc dans la région de Sambreville. C'est une micro-ferme, plus ou moins sur 2 hectares, où j'y élève des canards et où je produis aussi des fruits. Donc j'essaye un petit peu de réconcilier l'animal et le végétal. Et puis, vu que je suis sur une petite surface, plus je me diversifie, plus j'ai des produits différents. Et je suis non issu du monde agricole, on appelle ça les nimaculteurs maintenant. Okay. Et donc j'ai dû vraiment faire toute cette démarche pour trouver des terres, etc. Et enfin réussir à m'installer il y a 2 ans. Quoi. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir paysan alors il y a 2 ans? Ouais, c'est une histoire assez originale finalement. Donc, faut savoir que j'ai fait des études d'ingénieur agronome. J'étais dans la recherche et c'était une recherche qui était assez loin du monde agricole, dans le sens où je passais mes journées enfermées dans un bureau dans le noir à faire de la microscopie. Et il y a plus ou moins 6 ans, j'ai acheté un chien, un chiot. C'est un chien de troupeau, donc c'est la race du berger australien. Et alors on m'avait proposé une initiation au chien de troupeau. Je me suis dit, pourquoi pas. Je suis allé en France et arrivé là-bas, on a initié mon chien et moi-même finalement. Et sans en détailler tout ce qui s'est passé, etc., à un moment, dans le vif du sujet où le chien travaille sur les moutons, etc., on m'a fait remarquer que mon chien avait une expression particulière. Et donc, au lieu de regarder mes pieds pour ne pas tomber au milieu des moutons, etc., j'ai regardé vers mon chien. Et là, effectivement, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui, une intensité dans le regard. Et en fait, ça a induit quelque chose en moi, c'est-à-dire que après sur le chemin du retour, j'ai constaté que ça m'avait fort ému. Je me suis dit, mais c'est toute sa vie, je ne peux pas le priver de ça. Et puis, j'ai continué la réflexion et je me suis dit, mais moi, dans la vie, qu'est-ce qui me donne cette intensité-là dans le regard? Qu'est-ce qui me donne cette passion-là? Et c'était pas ce que j'étais en train de faire. Et du coup, en fait, au départ, pour répondre aux besoins de mon chien, vu que j'avais un petit jardin, j'ai acheté 6 canards en me disant, comme ça, il pourra faire un peu de troupeau sur les canards et il sera content. Et arrivé à l'hiver, qu'est-ce que je fais de mes canards? Je les ai transformés. Et puis l'année d'après, j'ai pris 2 fois 10 canards et petit à petit, j'ai constaté que en fait, ce qui me faisait vibrer, c'était la même chose que mon chien, c'était l'élevage, quoi, finalement. Ok. Et comment se passe l'élevage de canards? Tu élèves quelle race? Déjà, je voulais un élevage tout à fait différent de ce qu'on voit en général au niveau conventionnel. Très extensif, avec les animaux un maximum dehors, etc. Donc mes canetons sont élevés 10 jours sous l'an. Et donc à partir de 10 jours, je leur laisse l'accès à l'extérieur, quoi. Donc il faut savoir qu'en général, on attend plusieurs semaines, etc. avant de mettre les jeunes volailles à l'extérieur. Dans mon cas, ils vont très vite dehors, mais donc du coup, ça implique toutes sortes de problèmes. Et à l'époque, j'ai eu l'occasion de tester différentes races. Donc j'ai essayé des canards de Pékin, des canards de Barbarie, des canards de Rouen. J'ai essayé des petites oies. Maintenant, j'essaie aussi des races belges. Il y a des canards, le Merktem et le Forêt qui sont des races belges. Et en fait, j'ai fait des tests en verger, etc. Mais il faut savoir que dans des conditions extérieures telles que je leur propose, il y a quand même une forte pression de la prédation, il y a une pression climatique, etc., qui n'est pas facile à gérer. Et j'ai constaté qu'avec certaines races de canards, ça n'allait pas du tout. Aujourd'hui, maintenant, je travaille avec du canard de Rouen, donc c'est un canard du nord de la France. Le mâle atteint 2,2 kg, la femelle 1,7 kg, donc c'est déjà valorisable, je peux transformer, enfin c'est des beaux filets déjà, c'est pas des trucs rikiki. Après, c'est pas un barbarie qui va atteindre 3,4 kg, quoi, 3,5 kg. Le Rouen, par contre, je sais qu'il a une croissance très rapide au départ, puis il arrive moins gros que le barbarie, alors que le barbarie, il prend du temps. Et donc, par exemple, à 4 semaines, c'est l'âge auquel je peux déjà mettre mes animaux en verger, etc., parce qu'ils commencent à se plumer,
un Barbarie, c'est une grosse, comme une grosse poire, alors qu'un Rouen, c'est déjà quasiment un peu plus gros qu'une corneille, quoi. Et là, par exemple, ça veut dire qu'à 4 semaines, le Barbarie, s'il y a un nid de corneille dans les parages, etc., elles vont venir le prélever, elles vont les attaquer, alors que le Rouen, plus. Et donc, c'est par toutes sortes d'observations de ce type-là que j'ai fait certains types de choix sur la race. Aussi, le Rouen a un instinct de protection face à la prédation beaucoup plus grand. S'il y a un oiseau qui passe au-dessus du champ, les Rouens se regroupent et vont se placer sous une haie, sous un arbre. Alors que le Barbarie, je veux dire, la corneille se pose à côté et mange un autre petit Barbarie à côté, enfin, il continue à faire sa sieste à 10 cm de l'autre canard, quoi. Et donc aujourd'hui, je travaille avec du Rouen, mais il faut voir aussi les conditions humaines, c'est-à-dire que dans un environnement où il y a des maisons, c'est pas possible de faire du Rouen, parce que le Rouen, on l'appelle le canard criard, et sa gueule. Et donc, à un certain endroit où j'avais commencé mon élevage au départ, j'avais commencé avec du Rouen. Et en attendant qu'une autre prairie soit prête, ben, pour le moment, je travaille du Barbarie parce que sinon les voisins se plaignent en permanence. Et donc pour le moment, je subis fort la prédation parce que pour le moment, je suis sur deux lots de Barbarie en attendant qu'une autre prairie soit prête. Donc voilà, c'est moi le canard qui me convient, c'est le Rouen, mais après, ça dépend un peu des conditions de chacun, etc., quoi. En ce qui concerne l'abattage, donc pour l'instant tu fais sous-traiter ça à un abattoir, Ouais. mais tu as des perspectives de développement. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. L'abattage, c'est embêtant et complexe. Donc, mes animaux sont labellisés bio. Et donc, l'abattoir doit être agréé bio. Et pour le moment, le seul abattoir agréé bio en Belgique qui fait du canard, il est à 1 heure de route de chez moi. Donc, c'est pas top, quoi. J'ai jamais perdu d'animaux dans le transport, etc. Mais je me dis quand même que plus proche, ce serait mieux. Et ce qui m'ennuie aussi un petit peu, c'est que finalement, le label bio dans un abattoir, la seule chose qui change, c'est que les animaux bio passent avant les autres animaux, mais je veux dire, d'un point de vue procédure, etc., il n'y a aucune différence, quoi. Et donc, j'ai trouvé, et je me suis inscrit dans un collectif qui s'appelle PAC, PAC, le Petit Abattoir Coopératif. Et donc, on est une dizaine de producteurs. Qui se sont rassemblés Producteur de volailles de ou... volailles essentiellement, des petits producteurs, donc c'est 5 000 volailles maximum par an, ce qui est minuscule, moi c'est 500 par an. Et l'idée c'est de faire un petit abattoir ici dans la région namuroise, un petit abattoir de proximité, on saura abattre 300 volailles par jour, pas plus, donc ce sera vraiment, on aura un calendrier serré entre éleveurs, et l'idée c'est qu'aussi l'éleveur participe à l'abattage. Et donc ça, moi je trouve ça chouette. Pas parce que j'aime bien tuer mes animaux spécialement et que voilà, c'est pas par effet pervers que je dis ça, c'est parce que je reste connecté à mon produit. Et donc pour le moment, ce qui est difficile pour moi à l'abattage, c'est que je dépose mes animaux et puis je rentre à la maison et puis je vais les rechercher. Enfin voilà, il y a vraiment un moment une déconnexion quoi. Et T'as ça, jamais vu le processus d'abattage? si, si, j'ai déjà vu le processus d'abattage, mais bah on. On n'est pas là, enfin, quand j'arrive à l'abattoir, il est à 5h30 du matin, et mes animaux, ils seront prêts à 15h30, donc parce qu'il faut qu'ils soient bien refroidis avant que je puisse venir les rechercher, etc. Mais donc, enfin, tu rentres chez toi, quoi, enfin, Toi, tu veux pas attendre, ouais, c'est sûr. voilà, il n'attend pas, donc, et alors, tu rentres chez toi et tu essaies de valoriser un peu cette journée-là, mais voilà. Et donc, le projet de cet abattoir coopératif, c'est une étape dans la maîtrise de ton souhait de la Ouais, maîtrise de tout le ouais. processus de A à Z. Voilà. Donc il y a plusieurs choses que je ne maîtrise pas encore, mais qui sont en projet de maîtrise. Mais bon, c'est pas faire tout d'un coup parce que y a des choses parfois dans une production qui font appel à des métiers différents. Et donc il y a l'abattage qui est une étape que je ne maîtrise pas encore à 100%. Et alors l'autre étape, c'est la production de quintons. Donc pour le moment, j'achète des quintons d'un jour. Donc je les prends un jour pour les sortir le plus vite possible du système conventionnel, quoi. Je prends du tout venant, ça veut dire mâle et femelle, et donc ils ne sont pas triés, comme on peut voir parfois dans certaines vidéos qui dénoncent certaines pratiques, etc., où on trie les mâles et les femelles, et enfin, soit, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais donc je prends du tout venant, donc il n'y a pas ce tri qui est fait. Je valorise aussi bien les mâles que les femelles, même si les femelles sont parfois moins facilement valorisables. Et je fais cet Ça effort-là.
Ça changerait quoi, par exemple, au Le bout de la vente, poids, de quoi? ouais, le poids. Donc la femelle, ça fait un petit canard d'un kilo 7. Et pour faire un canard entier rôti, c'est intéressant, mais il n'y a pas du tout la culture du canard entier rôti en Belgique, et donc c'est dur de les vendre pour ça. Mais par contre, pour la découpe, faire des cuisses, des filets, etc., mais ça donne un produit qui est trop petit et qui n'a, enfin, c'est bête, mais qui n'attire pas l'œil du consommateur finalement, quoi. Et donc je sais pas les vendre. Donc ça, c'est embêtant. Mais donc voilà, l'idée c'est, ici j'abats encore, mais alors je vais faire l'acquisition ici d'une couveuse semi-professionnelle. Et donc l'idée c'est qu'en 2020, je commence à faire plus ou moins 50-50 quintons de ma propre production et quintons achetés. Et ainsi, je saurai estimer en 2020 le nombre de reproducteurs que je dois conserver pour pouvoir être autonome. Donc j'espère en 2021 avoir une production de quintons autonome, quoi. Et voilà, je pense que je ferai toujours couver les œufs par couveuse, pas par canne, parce que quand une canne couve, elle ne pond plus. Et donc il faudrait que j'ai 3 fois plus de cannes pour le même nombre de quintons si je les fais couver, quoi. Et pour conserver mon label bio, je dois rester avec très peu de canards, parce qu'il y a une incohérence entre labellisation bio et la réglementation AFSCA. Ce qui fait que je dois rester à maximum 200 canards à un moment donné à l'exploitation. Et donc si j'ai 30 cannes, ça veut dire que je ne peux déjà plus avoir que 170 individus en élevage pour dégager un salaire cohérent, quoi. Donc voilà. Est-ce que c'est viable? Oui, alors, c'est à relativiser, c'est-à-dire que c'est viable parce que le revenu net que j'en tire me permet d'assumer toutes mes dépenses mensuelles, etc. Sauf que si j'avais dû acheter mes terres, si j'avais dû investir dans des gros bâtiments, des gros locaux, etc., si j'avais dû acheter un tracteur et d'autres choses comme ça, j'avais dû planter mes vergers à mes frais, etc., j'aurais des endettements, je serais endetté et je ne serais pas capable, par contre, de dégager quelque chose de supplémentaire pour rembourser ces endettements. Donc, faut savoir que à l'heure actuelle, donc c'est le début du projet, donc ça va encore évoluer, notamment au niveau production fruitière, ça va continuer à augmenter, mais actuellement, je sais dégager un revenu net entre 800 et 1000 euros par mois en fonction des aléas climatiques ou d'autres choses, quoi. Sachant que je produis 500 canards par an, je fais un tout petit peu de formation. La formation, ça représente peut-être un mois de salaire en tout sur l'année, donc un dixième du revenu. Et alors, je fais aussi donc les fruits. Les petits fruits, ça commence vraiment cette année-ci, mais sinon, je cueille actuellement des vergers déjà en place qui appartiennent à d'autres personnes que j'entretiens en échange, et j'ai mis en place des vergers qui, eux, m'apporteront un revenu supplémentaire dans 10-12 ans, quoi. Donc tu cherches à bien diversifier tes activités. Oui, alors, pour plusieurs raisons. D'abord, quand on est plus diversifié, on est plus résilient. Ben, résilient face à un problème de prédation, face à un problème climatique, etc. Parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres qui vont pas fonctionner. Et donc, dans ce souci de résilience financière et de production, je me diversifie, mais aussi d'un point de vue sensibilité et éthique quelque part, par rapport à cet équilibre de la consommation viande, végétaux, etc. J'aimerais bien trouver ce bon équilibre dans mon exploitation et je fais quelques recherches à ce niveau-là pour le moment pour voir quelle est, pour une autonomie complète, quelle est la proportion animale et végétale qu'il faudrait produire et pour que la fiente des animaux serve à améliorer le sol pour la culture, etc. et que la culture permette de nourrir l'animal, etc. et l'humain. Et en fait, donc j'aimerais bien me situer entre produire 10, pour le moment 10 fois plus de végétaux que d'animal en termes de poids, quoi. Et donc l'idée c'est à un moment donné avec la quantité de vergers que j'ai planté d'avoir plus ou moins 12-15 tonnes de fruits par an et plus ou moins je vais dire 1 tonne à 1,2 tonne de viande produite par an, quoi. Voilà. Et alors aussi comme j'ai une petite surface,
il faut utiliser tous ces aspects, tous ces étages, quoi. Donc bien entendu, je ne fais pas d'un côté des vergers et d'un côté des canards. Non, mes vergers sont avec mes canards. Enfin, donc mes canards pâturent les vergers et de petits fruits pour les quintons et d'arbres hautes tiges pour les canards. Le pâturage de tes canards, c'est l'année passée que tu as commencé à planter les arbres, si je ne me trompe pas. Donc j'ai planté les arbres. Ici, nous sommes en 2019, donc l'hiver 2017. Ok, il y a un an et Donc demi. voilà, ils ont poussé 2018 et là maintenant ils commencent leur deuxième année. Ils sont dans leur deuxième printemps chez moi, quoi. Ok. Tu m'avais dit que c'était des arbres que tu Oui. avais achetés, mais à Ouais. côté de ça, tu as aussi une pépinière pour tous tes futurs projets. Voilà. Alors l'idée, c'était bête de commencer par quelque chose. Et donc j'ai planté un verger, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça m'a permis de faire rentrer du matériel génétique dans la ferme. Donc j'ai 15-20 variétés différentes dans ce verger. Il y a un plan, c'est listé, je sais quel arbre, ce que c'est, etc. Et donc maintenant, ça me permet aussi de travailler les choses différemment. Donc j'ai acquis de nouveaux espaces depuis le début du projet. Maintenant, l'idée, c'est de ne plus acheter d'arbres. D'ailleurs, je n'ai pas acheté de petits fruits non plus. Et c'est de produire mes arbres par moi-même. Pour, dans une idée de résilience, ça veut dire le jour où je dois remplacer mes vergers, que je sache le faire par moi-même. Et donc, effectivement, j'ai commencé à développer une pépinière où je pars de semis pour prunier, de semis de prunes, Le de semis que tu merises. fais toi-même. Voilà, donc je recueille du matériel génétique dans les bois. Donc par exemple, j'ai trouvé un magnifique vieux pommier sauvage dans un bois juste à côté de mes prairies. J'ai récolté les pommes, j'ai prélevé les pépins, j'ai mis ça à germer. Je plante, enfin ça lève, et un an ou deux après, je greffe. Et je greffe la variété qui me plaît. Et ainsi, j'ai au niveau racinaire la vigueur d'un haut-tige. J'ai une génétique qui se plaît dans mon coin finalement. Et au niveau aérien et fructification, j'ai les fruits que je cherche à avoir, quoi. Et pareil pour les pruniers, il y a pas mal de pruniers, etc. De pruniers qui sont issus d'arbres auto-fertiles. Et donc quand on sait que c'est auto-fertile, on sait qu'on va avoir une prune à 95% identique à l'arbre mère. Tu penses Et à quelle donc voilà. variété alors? Mais là, par exemple, une variété que j'adore, c'est la Sainte-Catherine. Moi, je la sème. Ok, Je mets ah, les c'est noyaux dans des intéressant à jardinières. savoir. Ça ressort, voilà. Et donc ça, c'est un pas de plus vers ton autonomie alors. C'est un pas de plus vers l'autonomie, voilà. Je sais. Alors, le premier verger, du coup, pour ne pas m'endetter, j'ai fait un financement participatif. Donc, j'ai organisé un parrainage d'arbres avec 50 euros par arbre. Ça me permettait de couvrir l'achat de l'arbre et des protections. Parce que j'ai quelques moutons aussi qui pâturent les vergers. Pour gérer l'enherbement. Et donc, il faut les protéger les arbres. Et ça coûte cher, plus cher que l'arbre finalement. Et maintenant, je sais planter des vergers comme je veux, gratuitement, quasiment, grâce aux arbres que je produis. Mes premiers arbres ont 2 ans, 2 ans et demi. Donc maintenant, ils sont déjà quasiment prêts à aller en verger. Donc voilà. Ça tombe bien que tu parles de financement participatif parce que tu fais souvent appel à la communauté, à ta communauté pour t'aider. Tu m'avais dit que tu avais un groupe local. Oui. Est-ce que tu peux en dire Oui. un peu plus? Ouais. Donc, en fait, cet attachement à la communauté, quelque part, ça vient de ma recherche de terre. Donc, je ne trouvais pas de terre, etc. Et puis, j'ai entendu parler de Terre en Vue, donc, qui est une coopérative qui récolte une épargne citoyenne pour pouvoir investir dans des terres agricoles et les confier à des agriculteurs. Ou sauver des fermes, en fait, tout simplement, qui étaient des fermes en péril avec de chouettes valeurs, etc. Et je me suis investi dans une de ces fermes-là, dans l'idée que moi j'avais un projet agricole, mais sans attente particulière, quoi, parce que j'aimais la dynamique Terre en Vue. Et c'est ainsi qu'à travers ces sauvetages de fermes-là, la vie a fait que il y avait des terres supplémentaires qui ont été acquises. Qu'est-ce qu'on fait de cette terre-là? Comme je faisais partie de cette collectivité de la ferme, j'ai fait partie des discussions, etc. Il a été décidé que une partie des terres allait me servir à lancer mon projet et à diversifier un peu ce qui se fait autour de cette ferme-là. Et là, je me suis rendu compte du pouvoir qu'on a quand on est ensemble, finalement, et du fait que des choses qui paraissent impossibles, c'est-à-dire là, dans l'occurrence, acheter 23 hectares pour cette ferme-là, a été possible par le nombre. On a levé 500 000 euros, quoi. Ce qui n'est pas rien. Et
que des gens sont prêts à soutenir cette agriculture-là, j'ai aussi réalisé. Et alors aussi, j'ai réalisé que faire entourer son projet par une communauté qui s'investit, que ce soit financièrement ou autre, eh bien, on se sent moins seul, on se sent porté dans son projet, et enfin, ça donne une certaine force. Et c'est pour ça que j'ai aussi développé un groupe local, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai contacté ma communauté qui me suit un petit peu, et je leur ai dit, voilà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés, une fois par saison, de venir rejoindre mon groupe local et qu'on ait une réunion où on peut discuter. Et là, je partage mes difficultés, mes problèmes, mais aussi mes joies et mes réjouissances, quoi, et mes victoires. Et c'est super intéressant parce qu'on parle souvent des agriculteurs qui se sentent seuls, mais moi, je me sens du coup pas du tout seul et je me sens soutenu. Une fois par saison, enfin, je vais dire, c'est tous les 3 mois, ça va super vite, quoi. On se voit régulièrement, finalement. Et alors, on fait aussi des exercices d'intelligence collective. Enfin, voilà, je dois réfléchir à quelque chose, je ne trouve pas des solutions que je trouve appropriées. Et on fait un petit brainstorming, etc. Et c'est très enrichissant. Et d'ailleurs, j'en profite. Enfin, s'il y a des gens de la région de Sambreville qui ont envie de rejoindre mon groupe local, ben, ils peuvent me contacter. Moi, ça me fera plaisir de les rencontrer, quoi. Et donc, je continue aussi. Donc, j'ai aussi mon bâtiment, ma cantonnière, que je vais installer ici dans. Prochainement, j'ai aussi fait appel là à un autre type de financement collectif. J'ai fait un crowdfunding sur Mimosa. Et donc voilà. Et c'est ça, c'est la collectivité qui me permet, par le terrain, par ce bâtiment-là et par d'autres choses, de ne pas m'endetter et de pouvoir subvenir à mes besoins avec, je vais dire, un objectif salarial plutôt faible, quoi. Donc voilà, c'est la clé. Si j'avais dû faire tous ces investissements-là moi-même, mon projet ne serait pas. Viable, je pense. Ou alors je devrais faire plus de canards et donc je sortirais de certaines de mes valeurs d'extensivité et ça je ne le souhaite pas non plus quoi. Tu m'as montré aussi lors de la petite visite qu'on a fait une presse à ballot que tu as fait toi-même. Mais effectivement, donc j'ai besoin de foin parce que j'ai des animaux qui mangent du foin, donc des moutons. Puis j'ai beaucoup d'herbes hein, parce que mes canards ils n'arrivent pas à tout manger. Par rapport au nombre de canards et à la surface que j'ai, je suis 30 fois plus extensif que me permet de faire le bio. Donc il y a des hautes herbes. Les hautes herbes, c'est pas bon non plus pour le verger, donc il faut gérer l'herbe. Et j'aime pas faire passer les tracteurs. Ben, ça fait du bruit, ça compacte le sol. Et voilà, moi j'ai envie de travailler, de donner mon énergie, de ma personne dans mes champs plutôt qu'à travers une machine. Et donc, j'ai commencé avec, en trouvant une vieille faux et en essayant de faucher, ça n'allait pas. Et donc, un ami m'a appris à faucher correctement, etc. Et donc, maintenant, j'ai une très bonne technique de faux, j'ai une très bonne faux, et donc, je sais abattre beaucoup de travail en peu de temps. Mais alors, que faire de cette herbe-là? Au début, j'ai essayé de faire des meules. C'était pas forcément l'idéal parce que on fait les meules là où il y a l'herbe. C'est aussi là où sont les animaux. Et donc en hiver, il fallait empêcher les animaux d'aller aux meules en mettant des clôtures. Mais si à un moment ils avaient envie de passer, parfois ils y arrivaient quand même. Donc c'était un peu compliqué. J'avais fait une meule très grande qui s'était cassée la figure. Sinon, j'étais assez content de la conservation du foin, mais bon, ça ne me convenait pas. Et donc j'ai eu la chance que dans la ferme de la Sarthe, juste à côté de la mienne, où on fait des petites choses ensemble, etc., au niveau collectivité, eh bien, il y a un menuisier qui vit là, à la ferme, et avec qui je m'entends bien. Et donc, en regardant des plans sur des vieilles machines agricoles, etc., ensemble, il a surtout construit une presse à ballots manuelle pour faire des ballots d'une dizaine de kilos. C'est une espèce de grosse boîte rectangulaire avec un levier. Qui permet de presser l'herbe. Donc je mets préalablement des cordes, je presse, je presse, je presse le foin, je remplis, je presse. Et une fois je ne sais pas presser plus, eh bien je bloque le système, je fais un nœud avec mes ficelles préalablement passées, et j'ouvre la boîte et je sors un joli petit ballot d'une dizaine de kilos. Et je sais qu'avec 40-50 ballots, je suis autonome l'hiver. Et je me permets aussi de faucher, etc. Parce que on a toujours peur de rater son foin. Mais moi, finalement, s'il commence à pleuvoir, etc., et que je rate mon foin, ben, c'est jamais perdu parce que je peux utiliser le foin que j'ai fauché pour pailler
mes haies, pour pailler certains endroits de ma pépinière, etc. Et donc, je fauche, et quand la qualité du foin est bonne et bien sec, je le mets en ballot, et quand le foin n'est pas de bonne qualité, etc., à cause du temps, eh bien, je l'utilise pour pailler mes alignements d'arbres et de petits fruits. Commencer à organiser des formations, si je ne me trompe pas. Oui, alors, en fait, je trouve que quand on travaille comme ça, un modèle agricole un petit peu hors du commun, et qu'on a quelque chose qui tient la route, ben, ça me tenait à cœur de communiquer sur ce type de modèle. Et du coup, avec un ami, qui est François Ouillot de Graines d'Avenir, qui a l'habitude de faire des formations, etc., et il est maraîcher aussi, on a décidé de s'associer pour faire une chouette formation. En gros, c'est construire un projet nourricier. Et résilient en agroécologie. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir une vision globale sur un projet en agroécologie pour utiliser correctement toutes les ressources, tout recycler, ne rien perdre, penser à la circularité de ressources, etc. Et alors aussi, on aborde certains aspects du coup de collectivité et humain, parce que effectivement, ce genre de petit projet, petite ferme en agroécologie, mais ça demande d'être fort intégré dans un réseau humain. Et donc, on va avoir différents intervenants qui ont étudié des collectivités de fermes et qui vont venir aussi partager sur ces modèles-là et comment ça fonctionne. Parce qu'il n'y a rien à faire. L'humain est indissociable du nourricier dans une toute petite ferme. Et donc voilà, on a préparé cette petite formation, mais c'est du 28 juin au 1er juillet. Ça se passe à la ferme de la Sarthe, à Une formation Fosses-Ravine. graine d'avenir pour ceux que ça intéresserait. Ouais. J'ai une dernière question pour terminer. Si tu as une variété ou peut-être une race à conseiller, Ouais. laquelle ce serait? Eh bien, en prune, par exemple, moi, la Sainte-Catherine, je la Comme trouve, tu me l'as déjà dit, ça voilà, m'étonne pas. sublime. Et alors, en canard, le canard de Rouen, parce que ça, c'est local, etc. Mais il faut pas de voisin. Et alors, je voudrais aussi rajouter que j'ai commencé fort attaché à vouloir travailler des variétés, des races, etc. Et en fait, aujourd'hui, je suis en train de rentrer dans un autre délire où j'ai envie de travailler un peu sur la mixité des races, sur les croisements. Et donc, par exemple, j'ai un petit troupeau de Rouardonnais et maintenant, ben, je vais faire venir un autre type de bélier et voir un peu ce que ces mélanges de rusticité différentes peuvent amener. Et je suis dans la même démarche aussi avec les canards. Donc, dans mes reproducteurs, j'aurai principalement des rouans, mais je vais intégrer un peu de génétique de canards de race belge pour brasser la génétique et aussi parce que j'ai envie d'avoir peut-être mes petites races à moi finalement et de travailler vraiment sur mon terroir et de voir ce qui va en ressortir, quoi. Voilà. Ok, belle perspective. Ouais, merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Quentin. Avec plaisir. C'était Microferme, un podcast animé par Joachim Demeester et enregistré par Marie-Anaïs Simon.